Le Covid a provoqué dans l'esprit des acheteurs d'immobilier de prestige un aléa psychologique très fort, puisque 2/3 des personnes interrogées pensent que les prix vont baisser, alors qu'en 2019, la majorité misait sur leur stabilité. Du coup, la question à se poser est de savoir si ces 2/3 des personnes interrogées constituent un seuil de ce qu'on appelle le phénomène de prophétie autoréalisatrice, qui pourrait contribuer à construire une nouvelle réalité du marché de l'immobilier de prestige. L'étude Belle Demeure sur la psychologie des acquéreurs du prestige montre une relative baisse du moral, liée notamment à l'incertitude du contexte économique. Néanmoins, ce qui est intéressant de relever dans notre étude, c'est que 80% des personnes interrogées confirment leur confiance dans l'aboutissement de leur projet. Depuis le déconfinement, le marché du luxe classified est très dynamique. Nos sites battent des records d'audience. Par exemple, sur Belle Demeure, ce mois-ci, on fait plus de 75% d'audience par rapport au mois de juin l'année dernière. Et la reprise est fulgurante et nos clients professionnels du secteur confirment cette tendance. On peut expliquer cette reprise du coup, par un phénomène de rattrapage post-Covid, mais aussi parce que l'immobilier de prestige demeure extrêmement attractif. D'après notre étude, 35% des acheteurs considèrent même que le marché a gagné en attractivité. D'après l'étude Belle Demeure sur la perception des acquéreurs du luxe, on a 2/3 des personnes interrogées qui pensent que l'immobilier luxe est une valeur sûre et une valeur refuge. Et dans ces 2/3, on a 15% qui pensent que c'est même une valeur plus sûre qu'avant la crise. Alors, Paris, la région parisienne, attire les acquéreurs de l'immobilier de prestige. L'Île-de-France demeure la région la plus recherchée pour l'immobilier de prestige. Et sur nos sites Luxe Résidence et Belle Demeure, ça concerne plus d'une recherche sur deux. Par ailleurs, on a identifié sur l'Île-de-France une forte progression du département des Yvelines avec une augmentation des prix de l'ordre d'environ 14% en un an. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région la plus recherchée sur nos sites. Plus particulièrement sur la French Riviera, les prix cette année semblent se stabiliser et on observe à côté de ça une valorisation de plus en plus importante des biens avec une vue mère.